Eurybéthrus se présente, Eurybiblique du 29 novembre. Ça s'appelle Daniel désobéit au décret du roi. Daniel, le prophète du Seigneur, qui vivait en exil à Babylone, était le plus intelligent et le plus sage des conseillers du roi Darius. Ce dernier lui donnait donc de grandes responsabilités. Il songeait même à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les gouverneurs essayèrent de prendre Daniel en faute pour lui faire perdre la faveur du roi et de s'en débarrasser. Cependant, ils ne trouvèrent absolument rien à lui reprocher. Ils décidèrent donc d'avoir recours à une machination. Ils allèrent voir le roi. Ils lui firent signer un décret défendant pendant 30 jours tous les habitants du royaume d'adresser des prières à d'autres qu'au roi. Ceux qui désobéissaient seraient jetés dans la fosse lion. Naturellement, Daniel le comprit que ce décret avait été rédigé exprès contre lui. En effet, il ne cachait pas sa foi. Tous les jours, trois fois par jour, il ouvrait les fenêtres de sa chambre du côté de Jérusalem et se mettait à genoux pour prier et louer le Seigneur. Mais sans se soucier du décret, du châtiment qu'il risquait, Daniel continue, comme il l'avait toujours fait, à prier ouvertement le Seigneur. Si vous voulez choisir des chiffres, prenez les chiffres de la boîte magique. Et puis si vous gagnez un gros lot, vous pouvez en partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Bonne journée à tous et à chacun.